ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi. Je ne suis pas maquillée. Et je suis dans l'ancienne maison. C'est le grand jour, ça y est. Je la rends aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qui va s'en dire. On verra bien. En fait, la seule chose que nous n'avons pas faite, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, le papier peint, en fait, les enfants l'avaient arraché. Et du coup, ils m'avaient demandé de le refaire, sauf que faute de budget, je n'ai pas pu. Donc, on va voir ce qu'il en dit, mais tout le reste, on a tout nettoyé, tout est nickel, tout est propre, blanc. J'ai recollé les morceaux de papier peint qui étaient décollés. On a repassé 3 couches de peinture dans la cuisine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la tache de café qu'il y avait sur le mur. Je suis désolée, je ne peux pas vous prendre plus haut puisque le plafond de l'escalier est très bas. Il y avait une tache de pain de café en fait sur ce mur. Et malheureusement, après 3 couches de peinture, on voit toujours les coulures. Donc, j'avais plus de peinture non plus. Donc, du coup, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Ici, c'est pareil, on a passé des couches de peinture. Ici, encore. Je pense que là, dans la vidéo, vous ne le voyez pas trop, mais en vrai, on voit pas mal des traces, en fait. Donc, c'est. Je pense que le logement va être jugé moyen. Mais bon, en même temps, c'est pas comme si on l'avait eu neuf. Hein. Vous voyez bien à l'état de la maison que c'était une vieille maison. Je m'essuie un peu les yeux de panda parce que j'avais pas vu en fait. Je me suis pas maquillée, même mes sourcils sont pas faits, c'est abusé. Mais j'avais vraiment pas le temps. J'étais très en retard ce matin. Les enfants avaient un pique-nique aujourd'hui. Le pique-nique de fin d'année pour Com et Adam. Et en fait, j'aurais dû emmener ma trousse de toilette puisque j'ai une demi-heure à tuer là. Parce qu'en fait, je voulais pas rentrer chez moi pour revenir après, donc du coup, je me suis dit, je vais attendre ici. J'aurais eu largement le temps de me maquiller. Bref, du coup, ils avaient un pique-nique aujourd'hui, donc ce matin, il fallait préparer le pique-nique, il fallait les badigeonner de crème, il me manque une boucle d'oreille. Bref, il fallait les badigeonner de crème solaire, etc. Enfin bref, c'était la course, quoi. Et Marceau qui avait décidé que lui aussi voulait faire un pique-nique ce matin, donc on a eu droit à la colère aussi. Donc tout ça à gérer à 8h, dur. Ensuite, moi j'avais zappé, hein, mais normalement ce matin à 8h, il y avait le technicien pour la boîte aux lettres qui devait passer. Sauf qu'il est arrivé à 8h30, au moment où nous allions partir, où j'étais très énervée parce que nous étions très en retard et que personne n'avançait, personne n'écoutait, enfin c'était très compliqué. Donc forcément, j'étais très énervée. Du coup, quand il est arrivé, il me dit on m'avait dit 8h30. Je dis non, c'était 8h parce que moi à 8h30 je pars emmener mes enfants à l'école. Donc je dis tant pis, je vous laisse faire. Je dis la boîte aux lettres en même temps elle est à l'extérieur, vous n'avez pas besoin de moi. Je dis vous mettrez les clés sous le paillasson, puis c'est tout. Ah bah oui, pas de problème. Donc on a fait ça. Donc je suis partie, mais on est quand même arrivé super en retard. Heureusement, j'ai trouvé une gentille maman à l'école qui m'a prêté un pain de glace pour mettre dans la glacière de mes enfants puisque je n'ai pas de congélateur, donc pas de pain de glace. Et donc, j'allais leur mettre juste dans un sac isotherme, mais sans mode de conservation spécial, quoi. Et la maman d'Hortense qu'on emmenait à la musique tous les mardis soirs, elle m'a prêté un pain de glace pour mettre dans leur sac. Et puis voilà, du coup j'ai déposé les enfants à l'école, je suis venue ici directement et là j'ai fini. Il me restait les toilettes à nettoyer, j'avais 3 ou 4 morceaux de papier peint à recoller et c'est fait. Donc maintenant j'attends. Bon, ce qui est cool c'est que la maison est fraîche. Là je suis assise par terre, le carrelage il est froid, ça fait trop de bien. Parce que dehors c'est une fournaise, il fait déjà 23 degrés. Depuis 8h30. Cet après-midi, ils annoncent encore 34. D'ailleurs, vous l'aurez constaté, je n'ai pas publié de vlog ce matin pour vous. Parce que, en fait, hier, on a vlogué tôt le matin.
Et ensuite, on n'a pas revlogué de la journée parce que en fait, la journée, elle s'est passée dans les cris, les colères, les disputes, les bagarres. Donc, concrètement, il n'y avait rien d'intéressant. Les enfants étaient très énervés par la chaleur et puis le fait de devoir rester enfermés, puisque concrètement, il faisait tellement chaud. Ils ont essayé d'aller jouer dehors, hein, ils étaient badigeonnés de crème. Et ils ont essayé d'aller jouer dehors et en fait c'était tellement intenable cette chaleur qu'ils sont rentrés. Sauf qu'une fois rentrés, Elsa et moi on a fait pas mal de petits jeux de société, donc elle, ça allait. Mais les gars ils voulaient pas jouer aux jeux de société, du coup ils nous ont fait la misère autour. Donc la journée s'est mal terminée, ça a fini dans les cris et les punitions. Donc on était tous très énervés en fait par cette chaleur et forcément le vlog n'était pas du tout... Bref, du coup, il n'y a pas eu de vlog hier, enfin, du coup aujourd'hui pour vous, mais voilà, il y a celui-là aujourd'hui pour demain. Et j'ai hâte de rendre cette maison. Voilà, maintenant je vais attendre, je vois que là-bas il y a une plinthe qui n'a pas été nettoyée, je vais la nettoyer de suite. C'est ça qui est bien en fait de venir plus tôt, c'est que je peux fignoler quelques petits trucs. Donc voilà, je vous reprendrai après pour vous dire... Bon, les amis, il est 10h30, je viens de rentrer. Et je suis trop contente. Je récupère ma caution. En fait, je pense qu'on m'a envoyé un ange là, pour le coup. Parce que, en fait, la personne qui m'a fait l'état des lieux, il habite dans la même commune que moi, aujourd'hui, dans la nouvelle maison. Et... comme je vous ai montré tout à l'heure, le mur de la cuisine, clairement, c'était pas possible. Et il me l'a dit clairement. Il m'a dit, mais moi, je peux pas relouer une maison dans cet état-là. Enfin, et du coup, je lui ai dit, non, mais je conçois. Je lui ai dit, c'est vrai que quand je suis partie dimanche, c'était tout blanc. Et en séchant, la trace a réapparu, quoi. Et je lui ai dit, mais je lui ai dit, enfin, là, j'ai plus les clés, donc je peux plus le modifier. Et là, il me fait, après, les clés, je peux vous en laisser une. Et là, je lui ai dit, pardon. Il me dit, je vais vous laisser un pass, au pire. Il me dit... Après, il me dit, je vais pas vous le laisser pendant une semaine non plus, mais si vous avez besoin d'un ou deux jours pour refaire la peinture... Et du coup, je lui dis, y a pas de problème. Je lui dis, moi, si je peux avoir les clés, mais par contre, la semaine prochaine. Parce que je lui dis, là, aujourd'hui, j'ai pas l'argent pour acheter la peinture. La semaine prochaine, j'aurai. Donc, il m'a dit, pas de problème, je vous laisse... comme il habite dans la même commune que moi, il m'a dit, je vous déposerai un pass mardi matin, mardi soir. Il m'a dit, je vous le laisse jusqu'à vendredi. Non, oui, il me le dépose mardi soir, donc je vais avoir toute la journée de mercredi, toute la journée de jeudi, et vendredi matin, on se retrouve là-bas pour, du coup, qu'il constate que ça avait été refait, et qu'il puisse récupérer cette fameuse clé. Donc du coup, il a noté que le logement était rendu en bon état, il m'a même pas compté le papier peint. Il a même pas noté, en fait. Alors après, je lui ai précisé qu'il y avait un endroit où le papier avait été déchiré, mais qu'il l'était déjà quand on est arrivé, et que sur l'autre mur, c'était mes enfants qui l'avaient fait. Et en gros, il ne l'a pas noté dans les frais à prévoir, en fait. Et donc, du coup, je vais pouvoir récupérer ma caution. Je suis trop contente et je l'ai remercié. Je sais combien de fois, franchement, il est trop gentil. Donc, voilà. La bonne nouvelle de la journée. En ce moment, je les enchaîne, les bonnes nouvelles. C'est plutôt bien. Bon, par contre, maintenant, j'ai un ménage de titan à faire ici, sous cette canicule atroce, c'est terrible. Avant de retourner chercher Marceau à l'école, je pense que ce midi, on va se faire des sandwichs tous les deux, puisque en fait, il rêve depuis 3 jours de faire un pique-nique, et que comme j'avais préparé un pique-nique pour ses frères aujourd'hui, je pense qu'on va se faire un petit pique-nique tous les deux. Bon, c'est un pique-nique canapé, hein, parce que sous la canicule, on va pas aller manger dehors, mais il sera content quand même, il aime bien. Donc voilà, donc c'est parti pour moi pour enchaîner avec le ménage. Après avoir bien stressé ce matin, je suis rassurée, j'ai réglé mon problème de boucle d'oreille. Hein, je sais pas, j'avais oublié l'autre à la maison en fait. Allez comprendre. Ça veut dire que ce matin, du coup, je suis allée à l'école avec une seule boucle d'oreille. Bref, c'est un style. C'est mon style. Donc voilà, eh bien, je m'active parce que j'ai du boulot quand même. Bon, voilà, hein. Il est midi passé et on fait un pique-nique dans le canapé. T'es content? Oui, c'est l'accessoire indispensable de l'hiver.
pique-nique dans le canapé. Mais on a trop, trop chaud, quoi, c'est vrai. Bon, bah, on occupe le temps comme on peut. Hein. Ouais. Alors, j'ai allumé la lumière après. Donc, j'ai vu qu'on, en fait, on joue dans les miettes. On a mangé dans le canapé, on en a mis partout. Donc, du coup, là, on va faire une partie de jeu qui s'appelle le kangourou. Tu commences, Marceau ? Oui. Alors, vas-y. Moi, j'ai le gris. T'as pas de carte grise, donc tu peux pas prendre le gris. Là, tu peux prendre le rose, le marron, le vert ou le bleu ? Le vert. Ok, donc tu jettes une carte verte. Je vais mettre là. Et tu reprends une carte pour mettre dans ton jeu. Moi, je vais prendre bah, le gris, tu vois. Tu le voulais, c'est moi qui le prends. Oui, à toi. À moi. Je reprends une carte. Je défends mon jaune. Je défends tu mon vert. Tu prends une carte vert. Dont je... Tu veux lequel ? Tu peux avoir le noir, le bleu, le marron ou le rose ? Le rose. Ok, tu poses ta carte et tu prends le rose. Quoi ? Tu poses ta carte et tu prends le rose. Elle. Ouais. Et c'est elle. Il n'y en a plus que deux ? Non. T'en as... Bah si, il n'y en a plus que deux. Bon, bah la pioche est terminée, la partie est bientôt finie. Moi, j'ai pris le jaune. Donc, bah, moi, de toute façon, je suis foutue. Bah, c'est toi. C'est... La partie, elle est finie, là, mon loulou, en fait. Et c'est toi qui as gagné. Ouais. Parce que moi, j'ai 5 kangourous. Ouais, j'en ai plein. Et toi, t'en as 6. Alors, j'explique pourquoi la partie est finie. Parce qu'en fait, moi, dans les cartes que j'ai, orange. Je n'ai que des cartes pour défendre les kangourous que j'avais dans mon jeu. Alors que Marceau, lui, il avait des cartes pour me demander mes kangourous. Donc même si on était allé au bout du jeu, c'est lui qui gagnait quand même, puisqu'il orange. M'aurait volé des kangourous. Orange. Voilà, ouais, orange. Alors là, je pense que normalement, je devrais être en colère. Bah non. Non, je devrais pas être en colère ? Non. Toi ? Ouais, et de l'autre côté ? T'as fait quoi ? Bah rien. Bah comment elle est arrivée sur ton visage cette couleur ? Bah moi j'étais beau et j'étais beau. T'étais beau ? Bah oui. Et c'est quoi qui t'a rendu beau ? Bah c'est ton maquillage, le maquillage de ça. D'accord. C'est les deux. Et est-ce qu'on se maquille quand on est un garçon ? Bah alors pourquoi tu l'as fait ? Bah Léo il se maquille pas avec le maquillage de sa maman. Ah, donc du coup t'as fait pareil. Bon bah, on va nettoyer le carnage, puis surtout je vais aller voir là-haut l'étendue des dégâts. Non ! Bon les amis, je suis au bout de ma vie. Il va être bientôt 18h, j'ai une vaisselle monumentale à faire. De toute façon, j'ai pas le choix parce que sinon on n'aura pas de vaisselle pour manger. Mais surtout, j'ai tellement chaud. J'ai tellement chaud. Les enfants étaient prendre une douche. Je pense que j'aurais aussi bien fait d'en prendre une. Mais je vais pas avoir le temps. Et j'irai après manger, je pense. Et en fait. Maman, c'est très énervée par la chaleur. C'est ça que j'avais pas bloqué hier. Hein. Bon, ça commence à me faire flipper. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer. Je vais... Trop tard, elle est sortie. En fait, j'ai des grosses abeilles. Voilà. Je pense que vous la voyez sur le cap. Mais... J'ai des grosses abeilles qui n'arrêtent pas de rentrer. C'est au moins la 7e. Alors, en fait, le truc... C'est que quand on est sur la terrasse, vous voyez toute la haie sur le côté, bah en fait, ça bourdonne à l'intérieur. Alors je ne sais pas si c'est qu'il y a un nid, mais franchement, ça commence à me faire flipper. Parce que cette abeille, moi j'en ai la trouille en plus. Donc j'ai un peu de mal à rassurer les enfants, à leur dire non, c'est pas grave. Mais bah ouais, ça m'inquiète un petit peu.
Donc, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je dois appeler les pompiers pour vérifier ou pour. Je sais pas ce qu'on peut faire pour ça en fait. Donc, on va voir. Bon, mes amis, il est un peu plus de 21 h. Je suis allée prendre une douche fraîche. Et j'ai ouvert ma porte d'entrée, comme vous voyez là-bas, pour faire un courant d'air parce que, en fait, là, de ce côté, j'ai la baie vitrée qui est ouverte. Voilà. Donc, comme les températures commencent à retomber, là, ça me fait un peu d'air frais, en fait. Et là, je commence à me sentir à peu près bien. C'était super dur aujourd'hui. Franchement, cette température, c'est super dur. Eh bien, les amis, je vais vous souhaiter une belle chaude journée. Prenez soin de vous, restez au frais autant que vous le pouvez. Hydratez-vous et puis ou plongez dans la piscine si vous avez la chance d'avoir une piscine. Voilà, ben je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.